poulet pour débuter le repas, quelques brioches qui sont parfumées aux fleurs de sureau. Tenez, quelques amuse-bouches. Vous allez pouvoir notamment retrouver sur votre plat cette vie d'Eliantis, qui est une variété ancienne de Topinambour qui cache une pièce d'esturgeon fumé sur votre dos. Vous avez quelques lentilles d'Eure-et-Loir qui servent à mettre en avant cette tête, pardon, panier, un pesto de lamier pourpre et ce filet de torche mariné. Moi, je viendrai rehausser de ce bouillon de légumes qui a été infusé à la tagette, qui est une herbe aromatique aux arômes dans le jardin du chef. Continuation. Pour moi, des sens côté un peu salin, développe le côté beurré et noisette. On est sur des esturgeons qui sont passés en clair, hein, donc pendant un mois, ce qui purifie le poisson, qui enlève ce côté terreux et vaseux qu'on peut avoir parfois sur le caviar. Il est posé sur une royale de pommes de terre, dessus on a un crémeux noisette, et autour on a un coulis de cresson à l'énois, qui est un cresson d'hiver, qui va vraiment vous apporter la fraîcheur et les notes un peu poivrées. Merci. C'est bien. C'est gentil. Merci, chef. Voilà, c'est bon.
Vous pouvez mettre le salami. Vous pouvez mettre le salami. C'est pas bon. Un peu serré comme ça, tu me diras, mais je pense que c'est vraiment hyper agréable. Avec, on a le black bass qui, pour moi en tous les cas, est une des plus belles chairs de poisson d'eau douce. On a fait un petit finger avec mousse de gardon et dessus, donc on a l'anguille fumée. On a les premières carottes du jardin, donc avec un parfum un peu coriandre pour apporter cette fraîcheur. Et dessus, on verse la soupe de poisson qu'on a fait avec le safran de Sologne de chez Alain Gaillard, qui est également notre jardinier. Je te laisse à côté, profitez bien. Thank you.
est sur la Géline de Touraine. Géline de Touraine, dont on a la fierté d'avoir un petit producteur dans le Loir-et-Cher, qui était à l'époque Michel Angier. Michel Angier est arrivé à la retraite. Et donc je suis allé chercher une amie qui est à Harville et qui s'appelle Adèle Chandavoine. Dernière productrice en Loir-et-Cher. Hein, donc on préserve la souche. Je bloque pas la production pour moi, mais en tous les cas, voilà, étant donné qu'il y a très peu de, il y en a très peu, on les a pour nous. Hein. C'est hyper important pour moi de la garder et de la valoriser. On est sur une poularde essentiellement qui est amenée à terme au-delà de 180 jours et finie au pain et au lait comme à l'ancienne, donc vraiment pour garder ce moelleux sur la chair. Avec, donc, on a travaillé le pissenlit. Donc là, je verse cette sauce poulette au vin de pissenlit. Hein, donc on est sur une macération justement des boutons de pissenlit. Et à côté, donc, on a nos premières asperges vertes Chambord, les morilles et des boutons de pissenlit en aigre douce. Donc, ils vont apporter ce côté un petit peu acidulé. Pour nous, Jean-Pierre, donc, cette carpe à la Chambord. Donc, c'est ce plat emblématique maintenant de la maison. La carpe à la Chambord, c'est un plat qui a été créé pour le maréchal de Saxe. Donc, on est au 18e siècle. Et on allait vraiment chercher chaque ingrédient qui rentrait dans la préparation. Donc, les champignons, les écrevisses. Le lard paysan, puis cette carpe qui est en deux préparations, une goujonnette qui est rôtie et la quenelle, et donc avec on a la sauce au vin rouge de Cheverny. À l'époque, sur les retours de chasse, on pouvait même retrouver des animaux à plumes, hein, donc, comme des perdrix ou des poules faisanes qui rentraient dans la farce. Hein. Et puis là, on est sur notre dernière truffe de la famille Doucineau qui est à Villermain. Ils ont commencé plus tard la saison, donc ce qui nous a permis d'avoir nos premières sur Montpré-Chambord et de finir ensuite sur le Villermain. C'est bien. Alors, pour continuer votre repas, vous avez trouvé ce prédécès travaillé autour d'un caramel à la mangue et également une mousse légère et des chips de topinambour. Dégustation. Le prénom. Alexandre Lornay, donc arrivé depuis un an et demi chez Christophe et à la maison d'à côté. J'ai fait mes classes avant chez Fanny Ray et Jean-Luc Ravanel. J'ai passé un CAP en pâtisserie-chocolaterie, mention complémentaire, j'ai terminé sur un BTM. Thank you.
l'idée de l'hostie, on l'entend régulièrement, surtout le dimanche. Après, on est sur une tuile de chocolat blanc. On commence à mettre une légère colorette sur dessus. Ça va nous indiquer la cuisson. Donc là, on va le sortir dans 50 secondes. Ça va nous permettre de glacer avant. Et on va pouvoir envoyer devant le client. La glace, faut vraiment plus on parle de la même texture, plus on parle, il y en a qui sont plus molles que d'autres. Il faut vraiment avoir un équilibre quand c'est bien associé. Pas qu'on sait bien, mais. C'est vrai. Ça. Il y a quelques trucs qu'il faut maîtriser. Ça a les inconvénients. C'est bon. Et là, on est bon pour partir en salle. Nous allons retrouver ce dessert autour du miel et du citron. Miel de nos ruches, avec qui Madame Mignot et qui nous travaillons. Miel que vous allez retrouver en différentes textures. Il est présent sous forme d'une crème glacée et d'une légère tuile. Le tout sera disposé sur une mousse de citron avec un crème et un biscuit. Biscuit très moelleux pour apporter de la mâche au dessert. Le tout est assaisonné avec du citron en différentes textures. Et vous retrouverez également le pollen de nos ruches. Et si vous le désirez, afin d'accompagner et de finir d'aromatiser ce dessert, nous avons un peu de miel pour agrémenter l'eau. Sur un nougat, c'est qu'un caramel de mignon.